Peppering the young crowd with questions, teenagers discuss anything taboo. The four-day workshop on sexual health is run by a Bobo Diolasso HIV Association, AED, founded by Christine Cafondo. L'information sur le VIH, l'information sur les hépatites, c'est de former, donner l'information à ces jeunes autour des questions sexuelles pour leur permettre d'avoir, je dirais, une responsabilité vers soi-même et envers les autres. The group of 40 included young girls and boys. Dans notre société, nous n'avons pas l'occasion de parler de la vie sexuelle et je dirais de la santé. Mais cette association nous amène à parler de tout ça. Actuellement, nous, les jeunes, nous sommes conscients de ce que nous voulons et nous savons qu'une maladie aujourd'hui peut nous empêcher de réaliser nos rêves demain. Donc, c'est pourquoi nous mobilisons. This is the second of a series of workshops. The aim, to reach out to young people, create a space for them to learn, and train some of them to become peer educators. 15 years ago, AED helped women living with HIV to access treatment. Then it grew to help mothers and their babies born with HIV. Now, those babies and their friends have grown up. Papa, je viens pour étudier. In Burkina Faso, 94,000 people live with HIV. 10% are children. Le plus grand défi au Burkina actuellement, notre performance est encore faible pour la prise en charge des enfants. 28% des enfants dépistés sont sous traitement, alors que ces chiffres sont autour de 65% chez les adultes. Christine Cafondo calls them the forgotten generation. Il n'y a jamais eu de programme de dépistage à l'endroit des fratries. Il n'y a jamais eu de programme de dépistage à l'endroit des jeunes. Parce que le jeune, quand il se porte bien, on n'y pense pas du tout. That's why the government, UNAIDS, UNICEF, aim to correct that. C'est vraiment les médiatrices de l'association Espoir et pour demain qui essaient d'intercepter, d'amener ces enfants envers les autres. AED now has included health mediators who visit families and have been getting the word out. If you live with HIV or have an HIV-positive child, test his or her siblings. Je dirais de la santé. Il faut vraiment cette association pour savoir dans la famille qui est malade, qui n'est pas malade, pour voir les suivre de près, pour que les enfants soient en bonne santé. Nous sommes conscients de ce que nous voulons et nous savons que une maladie aujourd'hui peut nous empêcher de réaliser nos rêves demain. Donc, c'est pourquoi nous mobilisons. This is the second of a series of workshops. The aim, to reach out to young people, create a space for them to learn, and train some of them to become peer educators. 15 years ago, AED helped women living with HIV to access treatment. Then it grew to help mothers and their babies born with HIV. Now, those babies and their friends have grown up. Papa, je viens pour étudier. In Burkina Faso, 94,000 people live with HIV. 10% are children. Le plus grand défi au Burkina actuellement, notre performance est encore faible pour la prise en charge des enfants. 28% des enfants dépistés sont sous traitement. Alors que ces chiffres sont autour de 65% chez les adultes. Christine Cafondo calls them the forgotten generation. Il n'y a jamais eu de programme de dépistage à l'endroit des fratries. Il n'y a jamais eu de programme de dépistage à l'endroit des jeunes. Parce que le jeune, quand il se porte bien, on n'y pense pas du tout. That's why the government, UNAIDS, UNICEF aim to correct that. C'est vraiment les médiatrices de l'association Espoir pour demain qui essaie d'intercepter, d'amener ces enfants-là. AED now has 50 health mediators who visit families and have been getting the word out. If you live with HIV or have an HIV-positive child, test his or her siblings. Il faut vraiment dépister les enfants pour savoir dans la famille qui est malade, qui n'est pas malade, pour pouvoir les suivre de près, pour que les enfants soient en bonne santé. Mon rêve,
qu'un jour le VIH finisse.